Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième page de notre tuto pour le petit album 20 par 20 avec la collection Focus on the Good. Alors je vais vous donner au prime abord les mesures de notre page et les papiers que vous allez avoir besoin. Ensuite on va la monter et les coller ensemble. Alors toujours, on a besoin, vous vous souvenez au premier tuto, j'ai dit qu'il fallait 4 pages, donc de 19 cm. Par 20,5 avec un pli à 1,5 cm sur votre gauche. Ensuite, il nous faut également un rabat de 18,8. Alors, vous vous rappelez que notre page fait 19 cm. J'enlève 2 mm au rabat supérieur de façon à ce que, quand on se pose au bord de notre page, on n'ait pas de gêne pour fermer notre page. Donc, 18,8 par 14. Dans les 14 cm, vous faites un pli de 1 cm. On vient biseauter nos pattes d'encollage. Toujours, voilà. Donc 18,8 par 14. Un pli à 1 cm dans les 14 cm. Et on passe la perforatrice de bordure ou un die, selon ce que vous utilisez, sur le bas de ce rabat. Enfin, sur le bas, puisqu'il va être collé comme ça. Ensuite, il nous faut un autre rabat qui fait 18,8 également par 12 avec un pli de 1 cm dans les 12 cm. Et la même chose, on biseaute notre patte d'encollage. Alors, je répète, 18,8 par 12 et celui-ci va se trouver en rabat bas, comme ça sur notre page. Et celui-ci comme ceci. Pour ce côté, il nous faut également un rabat photo. Donc de 17 cm par 11 cm avec un pli de 1 cm dans les 17. Voilà, ça va être le rabat à l'intérieur. Pour le dos de cette page, il nous faut simplement deux rabats photo. Donc de 17 cm par 11 avec un pli dans les 17 cm. Même chose, 17 par 11 et un pli dans les 17 cm et on biseaute toujours notre petite patte d'encollage. Hop, on va revenir au devant de notre page et la préparer et l'encoller. Alors, le rabat qui est festonné, c'est le rabat qui va en haut. Alors, on positionne notre colle sur le... Je n'ai pas fermé ma colle tout à l'heure, du coup, elle a séché dessus. On en colle notre petite patte. Et on se positionne sur le bord extérieur à droite. On s'aligne avec le bord de façon à ce que les 2 mm qu'on ait en moins se mettent sur notre côté de notre reliure en fait. Côté de notre patte d'encollage. Là, on se met bien au ras de notre page. Et on se met au ras en haut, bien évidemment. Quand notre papier est bien posé, on vient fixer notre encollage. Alors, je travaille avec du papier craft qui se travaille très très bien, celui-ci. Par contre, il est long à prendre la colle. Du vrai papier craft, il est très épais, très rigide. Il se plie très bien. Il ne se coupe pas. Il ne se casse pas à la pliure. Par contre, il est un peu long à prendre la colle. Je vérifie que mon collage soit vraiment bien au bord. Voilà, on va passer au collage du rabat du bas. Même chose. On en colle notre petite patte. On vient la poser, même chose au ras du bord extérieur. On s'aligne bien sur le bord. Et voilà. Et nos deux petits millimètres de jeu se trouvent du côté de notre patte d'encollage. De façon à ce que quand on ferme l'album, ça ne gêne pas. Puisqu'on n'a pas, je rappelle, on n'a pas de gousset d'aisance sur cet album.
sur le précédent album 15-15 que vous avez fait, on avait une pâte d'encollage de 1 cm et un gousset d'aisance d'un demi centimètre. Sur celui-ci, on ne l'a pas. Voilà, parce qu'il est très simple dans sa construction. C'était. Et alors, notre rabat va venir à l'intérieur, donc on le posera sur notre papier décor. Alors, j'ai déjà préparé mes papiers décor, on va les coller ensemble, on va faire les pages entières sur cet album, ensemble. Alors, votre papier décor doit faire donc 18,7 par 18,7, puisqu'on a une page de 19 par 19. À 1,3 cm du bord, vous allez faire un repère, et à 3,8 du haut, un petit repère, et vous fendez donc sur ces 1,3 cm du bord, 3,8 du haut. C'est pour que notre rabat photo se trouve au milieu. 1,3, 3,8, faites votre petit repère, vous pouvez vous mettre sur l'envers, le papier est noir, moi j'ai choisi. Donc je me suis mise là, j'ai fait un repère à 1,3, à 3,8, j'ai mis ma petite cartonnette à 3,8 pour voir jusqu'où fallait que je coupe, je fais mon petit repère, et on est à 3,8 et 3,8. Donc, on incise et on va venir en coller. Je vais mettre ma page de côté. Notre rabat photo. Alors, on incise dans l'ouverture. Comme d'habitude. Maintenant, vous savez comment on fait pour inciser les rabats photos à l'intérieur. Pour les insérer, pardon, à l'intérieur de nos incisions. On en colle une patte. On retourne. Et on vient la fixer correctement. Je rappelle, elle doit être à 1,3 cm du bord et à 3,8 du haut. Pour qu'elle soit au milieu. Voilà. On essuie tout de suite notre trace de colle. On va pouvoir positionner notre rabat comme ceci. Alors là, on n'a pas besoin d'aimant puisque c'est un rabat qui se trouve à l'intérieur. Il sera maintenu par le rabat du haut et du bas. Donc on peut en coller directement notre page. Et voilà, on vient positionner notre page au milieu de son espace. Voilà, pour ceci, c'est fait. On va, pendant qu'on y est, on va mater l'intérieur. Donc, notre petit papier en bas, il doit faire 3 mm de moins que notre rabat, c'est-à-dire, il mesure 18,5, puisqu'on avait 18,8, par 10,5, puisqu'on avait, je sais combien on avait là, 12, moins un repli, ça nous faisait 11, donc j'ai 10,7, c'est ça. 10,7 par 18,5. Voilà. Et on vient poser notre petit rabat comme ceci. Même pas c'était celui du haut. Ça en bas, j'avais un espace photo. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il trouvait trois mon papier? Non, c'est pas celui-là qui vient. Là, il va dehors celui-là. En bas, on a un espace photo. Je suis en train de dire une bêtise. En bas, on a un espace photo. Donc, on colle un papier de 10,7 par 15,7. Et à côté, on a une petite bande qui rappelle le papier qu'on a à l'extérieur. Alors, celui-ci va à l'extérieur. Alors, notre espace photo de 15,7 par 10,7.
Mes papiers, ça va pas. Et à côté, on a un petit morceau qui fait 2,2 donc par 10,7. On vient le positionner à côté de notre espace photo en laissant notre petite marge et au bord et entre les deux. On s'aligne en hauteur. Voilà. Je pars. Voilà, on va en coller notre petit rabat extérieur, mais pas sans avoir oublié de mettre un aimant cette fois. On va avoir notre petit rabat qui va venir ici, et celui-là ici. Donc on va poser d'abord l'aimant sur le rabat du haut. Et deux. Alors, un petit bout de score tape. On va poser notre aimant au milieu de notre page. Alors, notre page faisant 18,8, la moitié, c'est 9 et quelque chose, 9,4, 9 cm. Je vais poser mon aimant en le mettant pas trop près du bord, de façon à ne pas être gêné quand on en colle. Et on le pose avec un bout de score tape. Voilà. On met le second aimant dessus, pas dessous, dessus, voilà, au milieu on dirait. Même chose, on vient lui mettre un petit bout de score tape. Je n'ai pas mis mon aimant droit, ça m'agace. Pas de côté. Voilà. Et là, on vient rabattre sur le bas. On fixe le score tape s'il veut bien. Voilà. Et on vérifie que ce soit bien, que ça ferme bien. Voilà, quand on est sûr que notre fermeture est correctement positionnée, j'ai l'impression que je ne suis pas au milieu, moi. Mon aimant, il est où? Là. Je suis à 8,5. Je suis à 9, oh, pratiquement. Donc, on peut laisser comme ça. Alors, maintenant que mon aimant est positionné, je vais retirer mon score tape et je viens positionner mon papier. Donc, qui fait, je rappelle, 18,5, puisqu'on a un papier de 18,8. On a un papier qui fait 11 cm, donc on a 10,7. Et on en colle. Ça pour en coller. Voilà. Donc on a un travail qui est fait. Maintenant, on va faire le rabat du haut.
Alors, mon rabat duo, que je ne me trompe pas. Voilà mon morceau. Alors, le morceau duo, toujours 18,5 dans la largeur et en hauteur avec ma dentelle. Il me faut un morceau de 11,3. Je vous rappelle, notre morceau faisait 14. Moins un pli de 1, ça faisait 13. Et moins la dentelle, il me faut un morceau de 11,3. Toujours pareil, moi j'ai cette dentelle. Alors mesurez bien votre hauteur de page. On vient centrer notre papier jusqu'à notre bordure de dentelle. On fait attention de bien en coller là où on a notre aimant. Et comme toujours, on enlève nos traces de gomme, de colle, pardon. Donc on a l'intérieur de cette page qui est fait. On va coller nos matages de photos, dont toujours des papiers, je rappelle, de 15,7 par 10,7. Alors là, moi, on a décidé, la personne voulait du papier craft et du papier blanc pour le matage. En craft pour mes bases et du blanc pour les espaces photos. Voilà. Et notre rabat est fermé par un aimant. Maintenant, il nous reste à appliquer notre papier du dessus. Donc, on est sur les petites lunes pour mon choix. Donc, pareil, il fait 18,5 par, je vous ai dit combien, 11,2, je crois. C'est ça, 11,2, puisque j'ai ma dentelle. Hop. Je vous rappelle que la construction des pages est la même que pour mon album Forest, puisqu'il m'avait été demandé en tuto et que l'album Forest avait été réalisé en test pour faire à la suite cet album. En fait, c'était un test pour une personne qui m'avait demandé un album pour un cadeau naissance, qui voulait un album où on ne met pas trop gros, avec pas énormément de photos. Donc l'album Forest avait été fait en test, le test étant validé, on le réalise avec le papier du choix. Voilà, donc notre espace photo, notre rabat du bas. Je n'ai pas les traces de colle ou de gommure. Et le rabat du haut, voilà. Voilà ce qu'on obtiendra comme page. Maintenant, on va faire le dos. Alors, pour le dos, vous vous souvenez, j'ai dit qu'on avait deux rabats en décalé. Donc j'ai réalisé, moi déjà, des incisions sur ma page. Donc, il vous faut à 1 cm du bord gauche et 1 cm du haut, inciser
de la largeur de votre espace photo, c'est-à-dire sur 11 cm. Donc, vous faites un repère à 1 du haut, un repère à 1 du bas. Vous mettez votre cartonnette. J'arrive. Voilà. Excusez-moi, j'ai une petite interruption. Donc, je disais 1 cm du haut, 1 cm du bord gauche. Vous faites votre petit repère. Vous mettez votre espace photo. Vous faites un petit repère jusque où vous devez percer, c'est-à-dire à 12 cm. Et le deuxième repère, il se fait à 1,5 cm du haut et à 6,5 cm du bord gauche. 6,5 cm un repère, 1,5 cm. Vous incisez sur, pareil, 11 cm. Vous mettez votre carte à 6,5 cm et vous faites un petit repère jusqu'au bout et vous incisez. Et on va venir donc mettre nos deux rabats photos à l'intérieur. Comme d'habitude, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on fixe notre pâte. Même chose pour le deuxième. Et on vient les fixer. Alors, elles ne sont pas très espacées, mais vu la hauteur de notre page, elles ne sont espacées en haut que d'un, entre elles que d'un demi centimètre, de façon à ce qu'on ait 1 cm en haut pour la plus grande et 1 cm en bas également pour l'autre, pour celle qui est la plus haute et la plus basse. Comme ça, on respecte nos espaces. Et nous sommes à 1 cm à gauche et 1 cm à droite également. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir monter cette page sur notre rabat, vérifiant qu'on est bien dans le bon sens. Et on vient mettre notre morceau à sa place. Voilà. Et là, on n'a pas de pâte de rabat puisqu'on va mettre des aimants. Alors, par contre, il faut peut-être que je mette mon aimant tout de suite sous mon papier avant d'en coller. On va placer un aimant. Normalement, moi, j'avais mis avec des flippettes et la personne ne veut pas de flippettes. Donc, il faut que je mette deux aimants, un aimant là et un aimant là. Alors, on va mettre l'aimant sur la base la plus basse. Alors, pour celles qui veulent mettre une flippette, vous pouvez mettre une flippette. Je prends les tout petits aimants. Pour les espaces photo, c'est suffisant. Hop. C'est tellement puissant qu'il se colle sur mes doigts. Petit bout de score tape. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, je fixe mon aimant sur le milieu de mon rabat photo. Hop. Fixer le deuxième aussi, ça sera fait. Celui-là, on va faire attention qu'il soit décalé. Sinon, il ne va pas accrocher. Je le décale juste un petit peu celui-ci. Oh, mais... accrocher sur la page d'à côté. Le deuxième, on le mettra après. Je voulais le mettre avant, mais c'est une bêtise. On va en coller celui, uniquement celui du dessous. Donc, j'ai mis mon aimant au milieu de ma page et on va mettre l'autre derrière. Il s'y met tout seul. Ah.
un petit bout de scotch-tape. Et on l'enlève avant d'aller coller notre page. Maintenant, on peut ramener notre page dans le bon sens. On ne se trompe pas, surtout. Votre rabat à droite. Voilà, et on vient fixer notre papier décor au milieu de notre page. Comme d'habitude, quand on est sûr qu'elle est bien en place, on fixe notre collage. Premier rabat tient avec notre aimant et le deuxième on le fera tenir sur celui-ci. Sur mes aimants là, j'ai peur qu'avec l'épaisseur ça gêne, donc on va faire tenir l'aimant sur notre deuxième rabat. Viens à toi. Donc on va se mettre le plus au bord de notre rabat possible, c'est-à-dire je prépare mon petit bout de scotch-tape. Mon aimant se positionne par ici. De façon à ce qu'il pose sur votre rabat du dessous. Et là, on vient mettre notre aimant derrière. Un bout de scotch-tape trop grand, sinon il va se coller sur mon papier du dessous. Voilà. Et comme ça, notre aimant se fixe sur le bord de notre page. Voilà. Et ainsi, nos deux rabats seront tenus, tous les deux aimantés. On va fixer notre papier de matage. Donc, moi, j'ai choisi les demi-lunes. Comme sur le recto de cette page, qu'on va en coller ici et ici. Au début, j'ai utilisé le recto et le verso de ce papier. Alors, sur certains des papiers Action, vous avez des versos qui collent très bien avec le recto. Donc, dans la mesure du possible où ça fonctionne bien, j'utilise cette combinaison. Quand la combinaison ne me plaît pas, j'en choisis un autre, bien évidemment. Soit en accord avec. J'oublie pas toujours de mettre de la colle autour de mon aimant. On colle le deuxième. On centre notre papier et quand il est centré, on en colle.
Vous pouvez ouvrir votre page pour avoir plus facile à la coller. Hop. Et maintenant, on va coller notre papier à l'intérieur. Alors, mais comme ce sont des espaces photos, toujours, je vous l'ai dit, pour ma part, c'est en blanc. Voilà, trace de colle, on n'en veut pas. Voilà, on a nos deux espaces photo. Ah, les aimants qui sont attirés. Et voilà, donc on a fini notre deuxième page. On a un rabat qui s'ouvre. Comme ceci, un espace photo en bas. Je n'ai pas les traces de gommure. Et voilà, la décoration, comme d'habitude, viendra à la fin. Et là, on a nos deux espaces photo, comme ceci et comme ceci. Et voilà, alors, je vous laisse sur cette page et je vous dis à demain pour la suite. Bonne soirée à tout le monde, merci de m'avoir regardé.